Là, on me demande de convertir des unités de masse, donc 152 centigrammes. Il vaut mieux savoir le faire sans le tableau, mais au brouillon, on peut faire un tableau rapidement, mieux que le mien, puisque moi, il va me manquer une colonne. Mais 152 centigrammes, on me demande de le convertir en grammes. Ça fait donc exactement 1,52 grammes. Et enfin, 4,5 tonnes. Donc, on a le 4 qui est là, 0,5. Et on me demande de mettre ça en kilos, avec le 4 devant, qu'on ne voit pas. Ça fait donc 4500. Alors celui-ci, particulièrement, il doit être fait sans tableau, c'est qu'on doit savoir quand même, ça fait quand même partie de la culture, qu'une tonne est égale à 1000 kilos. Ça c'est quand même du quotidien. Donc si une tonne vaut 1000 kilos, à partir de là, on trouve que 4,5 tonnes, ça fait 4500 kilos. Alors, on me demande de convertir les unités de longueur, donc 5 mm, on me demande de le mettre en mètres. Donc 5 mm, si on fait son petit tableau, sans grande difficulté, ça fait 0,05 mètres et 3,8 décimètres à convertir en centimètres, ça en fait 38. Ça vaut le coup d'avoir ce petit tableau en tête ou de le refaire au brouillon, vous avez le temps, c'est pas très long. Ça permet de répondre quand même rapidement à ces questions.